Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate Défiance. On reprend notre attaque sur le camp des intégrateurs ou ce qu'il en reste. Et du coup on a débloqué, ça y est, les entrées d'encyclopédie. Donc on a débloqué les écraseurs, les fameuses escouades de 2 là, qui étaient dans les tours de guet. Donc une mitrailleuse à plasma lourde et des fusils à plasma, ce qu'on avait vu quand ils sont descendus. Je pense que ce qui snipait notre MV, c'était une escouade d'effaceurs incomplète. Alors soit on a tué celui-là direct et c'est juste les snipes qui ont survécu, mais on voyait que deux personnes alors que normalement ils sont trois. On a aussi débloqué le tracteur des intégrateurs, qui peut tracter n'importe quelle remorque. Hein. Il est totalement dépourvu d'armes, mais n'importe quelle remorque c'est quand même pas mal. Et au final, cette automitrailleuse, qui effectivement c'est des missiles anti-char en fait qu'il avait. Bien sûr, en plus je reconnais ce pattern de petite capsule qui saute pour tirer du taux. C'est un classique. Ça pourrait être un remplacement avantageux. Parce qu'ils peuvent tirer des remorques lourdes. Mais sauf ceux qui ont une sellette d'attelage. Alors, je sais pas si les tourelles lourdes ont une sellette d'attelage. Mais je pense qu'on va commencer du coup à progresser, à prendre un petit peu des véhicules. Parce que ça pourrait quand même être un remplacement intéressant pour nos... pour nos trucs qui... comment, pour nos MV ou ce genre de véhicule quoi. Et après les blindés, si on pouvait sortir, enfin rentrer plus de monde, ça m'intéresserait également. Donc on va déjà commencer à prendre un peu en main. Attends, par contre le bulldozer des intégrateurs, il est monstrueux quoi. On va commencer à prendre des véhicules. C'est parti. Vous pouvez piloter aussi. Allez-y. Je pense qu'il reste plus grand monde en vie dans cette zone, peut-être dans ce bâtiment-là. On va progresser un peu. Toi, tu peux encore avancer un peu avant qu'on te... Ok, si, ça défend encore là, très bien. J'aimerais bien qu'on essaye de ne pas annihiler cette zone si possible. C'est fait. Moteur détruit en flammes. Là on tire sur quoi? Les enfoirés dans leur tour très probablement. Ah non, même pas, il y a des pionniers là qui ont décidé d'avancer. Ils étaient planqués. Ah, ils vont se faire défoncer eux, mais j'ai peur qu'on pète un peu les trucs autour malheureusement. Ça y est. Ah, on a des phares, excellent, des roquettes explosives et fragmentation. Progressez, vous pareil, progressez. On essaie de raser ces bâtiments. Voilà, parfait. Avant que notre artillerie notamment ne fasse trop d'étincelles, si on va nettoyer. Alors là c'est pareil, on a pas mal de trucs à prendre. Hop, on va avancer. Il y a du monde. Ah, ils sont dans le bâtiment. Ok. Très bien. Ils sont à ta portée. Ils sont à ta portée. Excellent. On va avancer un petit peu. Sur ce flanc. Sur ce flanc. Vous au sol. Sur ce flanc. Vous au sol. En avant. Le taux, on va le laisser un peu derrière. Et le transport blindé avec un taux, on va le déployer par là. Toi, t'es un Bradley. Viens donc ici. Et là on est à sec. Ok, très bien, bah, vous allez pouvoir sortir du coup. Remballer ça et sortir. J'allais dire on peut toujours essayer d'aller recharger un coup l'Ivar, mais non, c'est fini pour lui. Ici en avant. Ok, là visiblement on n'est pas efficace. Faut qu'on avance. C'est le seul bâtiment moyen de la zone, il va se faire défoncer. Ouh, coucou vous. Un peu. Oh les pauvres quoi. Franchement, on arrive sous tous les angles. Ça me fait mal pour eux. Là, nos mines qu'on avait posées là ont l'air d'avoir disparu.
qui court avec sa mitrailleuse là. Non, aidez-moi. Ok, ici on a réparé, on peut avancer un peu. Vous pouvez prendre ce truc là en main. Là, du coup, l'automitrailleuse, elle est prête. Celle-là, elle est en ruine. Ça, il faut des compétences de char. Avancer par là avec elle. Ok. Et les enfoirés là. Ouh. Ça pique. Ok, par contre là ils nous chopent de côté. Ok, faut reculer. Ah mais en plus il y a toujours les enfoirés dans cette tourelle là. Faut reculer avec le Bradley là, il est trop exposé. Ça reste un Bradley. Même si les mecs ils ont des mini tourelles, faut pas déconner non plus. Alors ici ça a l'air d'être géré. Donc en avant. Pareil là. Toi, récupère cette tourelle. On va commencer à tirer sur nos propres troupes bientôt. Il y a des mecs dans la pampa là. Il y avait des mecs dans la pampa. Bien. Oh, on a une automitrailleuse de base. Automitrailleuse, ok, ça c'est vraiment automitrailleuse. Là il reste un mec qui survit. On sait pas bien comment. Mais il survit. Essayez d'avancer par là. Vous chopez ça. Ah mais il est cassé ce truc, merde. Il faudrait un mec pour le réparer. Allez-y. Et là on a quoi? Alors vous pouvez piloter aussi. Donc choper ça. Là, on a ce véhicule. Là, on peut réparer. Comment je vais pouvoir gérer ces trucs? Je vais pas pouvoir gérer ces trucs. Il aurait fallu que je rampe mes techniciens pour gérer ces trucs. Enfin, mes mecs du génie. On va voir si on a moyen. Sinon, tant pis, on fera avec les véhicules légers. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir à quoi ils ressemblaient ces tanks, mais pas moyen que je laisse un de nos trucs derrière. Qu'est-ce qui pète comme ça là? Tourne parce que tu vois des ennemis? Non, il n'y a personne, il n'y a plus personne. Je pense que c'est géré. Hein. On les a enfoncés. Ouais, vous pouviez sortir du coup. Le véhicule tracteur là. Qui vient de me ramasser ça. Mais on peut pas. Donc toi, viens là. Est-ce que tu peux réparer? Ah, ici on est engagé. Par quoi? Une tourelle qu'on a éliminée. Quelqu'un qui a cru malin de nous tirer dessus. Ok, on va tenir cette ligne-là, le temps de faire un peu le tri sur ce qu'il y a ramassé. Là, vous pouvez réparer. Il faut qu'on se déplace. Ici, pareil. Vous me réparez ça. Il faut qu'on se déplace. Voilà, on va prendre un maximum de véhicules. Hein. Chaque véhicule, c'est de la thune. Ça tire. Où ça? D'accord, il y a des mecs ici qui sont... Oh, ils ont un sacré camouflage quand même. Oh putain, par contre, vous vous faites péter le cul. Réparer. Ils ont un sacré camouflage quand même, ils arrivent à progresser là. Alors là, on a moyen de peut-être... Donc on a déjà un fusil laser, mais vous par contre... Vous pouvez me ramasser ça. Alors, ici. Ici, il faut réparer. Là, vous pouvez me prendre l'autre, là. En avant. Là on est bien. Ah non, vous aviez pris. Vous étiez en train de réparer, ok, très bien, excusez-moi. Là on va évacuer. Là on a quoi là-dedans?
des gens qui pilotent pas. Pilotez pas. Dans cette zone, il y a quoi? Un transport, il y a un Bradley là aussi. J'aurais dû emmener des mecs, putain. Pourquoi j'y pense jamais? Sérieux. Vous, vous êtes où? Pointez-vous. Là, vous ne servez pas à grand chose, vous, mais il y a peut-être moyen de vous donner du stuff. Venez par là. Ici. Progressez. Vous pouvez vous lever. Prendre ce véhicule. Là, vous pouvez réparer. Vous évacuez. Eh bien, toi, pas t'oublier. Rapproche-toi un peu plus. Ici, du coup. On est bon. Récupérez-moi ça. Là, on est bon. Récupérez-moi ça. Et vous sortez. Ah non, toi, tu peux pas conduire. Excuse-moi. Vas-y, répare aussi. Répare aussi. Là, il y a un véhicule là, en avant. Chopez-le. Vous réparez. Ici, on est bien. Là, vous pouvez éventuellement piloter des trucs. Est-ce que vous pouvez prendre ça ou est-ce qu'ils vont s'énerver? Ils s'en foutent. Eh bien, écoutez, parfait, ça fera un véhicule de plus. On peut pas tirer ces trucs là, c'est pas possible. Vas-y toi, chope-moi ça. Donc ça n'a pas besoin de salade d'être là. Je pense que ça doit être les gros véhicules de ravitaillement qui ont la salade d'être là. Ouais, ici, ce foutu Bradley là, il fait de l'œil encore. En avant, on va avancer. Hop, faut qu'on aille chercher le truc. Alors, il nous faut une escouade capable de piloter aussi. Hein. Ah, j'entends que ça tire. Là-bas, il y a des mecs. Ils vont pas faire le poids. Pas trop un problème. Ça, c'était un taux par contre. Non ? Ouh, les petits fumiers. C'était eux qui avaient un sou. Ils ont détruit, faut réparer. Ils ont réussi à tuer le SWO, mais il a tiré son petit tir avant. Là, ça continue de tirer. Il y a toujours le mec, mais il a la mitrailleuse à plasma, il nous fera pas grand chose. Se rapprocher, tant pis. Là, il y a un tracteur à prendre, par contre. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Ici, on a du Malboom en devenir. On va les envoyer par là. Vous, niveau stuff, il y a quoi ici? Mitrailleuse à plasma. On prend. Et est-ce qu'on a éventuellement des fusils à plasma? Non. Ça c'est du SWO, mitrailleuse à plasma, mais c'est pas du fusil d'assaut à plasma. Ok, donc pour l'instant rien d'utile. Vous réparez, là vous sortez. Pas le conducteur, excusez-moi, le conducteur il peut rester. Vous. Est-ce que vous pouvez prendre deux SWO? Excellent. Et là, non, on peut pas, c'est pas grave. Par contre, vous pouvez aller prendre ce véhicule-là et ce véhicule-là. Voilà, très bien. Qui d'autre peut piloter? Si on a un ranger. Le ranger, il va aller par là-bas. On va s'en servir pour prendre le...
le petit camion. On peut sortir de là. Qu'est-ce qu'il nous reste à prendre, non, éventuellement? Pas grand chose, on pourrait par contre drastiquement améliorer nos snipers, ça c'est clair. On n'aurait pas avoir besoin de ces deux là du coup, je pense qu'il faut, il nous faudra du pilote de char éventuellement, mais le jeu ne nous fera pas rentrer d'autres personnes, ça c'est clair. Prenez-moi ce véhicule. On va se regrouper un peu là au cas où il y ait une potentielle contre-attaque. Avant de prendre le camion. Hop, toi tu récupères ça et t'avances. Ici on va se tourner vers les éventuelles sorties. Ah, ici on a un canon de 120 plus de 20 mm plus les taux quoi. Ça fait plaisir hein. Où sont nos snipes? Shobi Snipey, qu'est-ce que t'as comme équipement, Shobi Snipey? Si tu sors, il y en a certainement un petit peu qui traîne dans le coin là. Même pas. T'es sur du M99, ce qui est pas mal. Là c'est du technicien, là c'est Shobi Snipey, là c'est Malboom, ils sont déjà bien équipés. Automitrailleuse, nos escouades lourdes sont déjà bien équipées, je le sais, c'est pas la peine d'aller ramasser trop de trucs lourds. Les Raven aussi, tac, là c'est bon, là on est bon, là c'est du sans recul. Automitrailleuse, c'est Mazamara qui pilote. Les nouveaux véhicules, là, ah là, il pourrait peut-être... T'es où toi? T'es là? Vas-y, viens faire un tour par ici. On va voir si ça vaudrait le coup. Alors là, il faut que... Ah, il faudrait qu'il répare. Ou vous pouvez pas réparer? Ah non, pardon. Vous pouvez pas vous déplacer. Pourquoi donc? Parce qu'il n'y a pas de carburant. Ah putain, sérieux. Quel enfer. Bon, bah du coup... Laissez tomber. Ah, ça va me faire chier si je peux pas looter cette zone. Ah ouais, on a déjà essayé, ils peuvent pas. Repliez-vous, tant pis. Pareil pour vous. Repliez-vous un peu plus loin. Là, il y a un tracteur désintégrateur. Chopez-le, on va voir s'il a du carburant. Là, on est réparé. Vous avez quoi? Mitrailleuse avancée, très bien. Là, vous sortez. Ah, vous êtes full équipé ce fois, vous. Ok, très bien. Next. Les nouveaux véhicules. Ça, c'est un nouveau véhicule, c'est de l'escouade lourde. Tac, tac. Ça, c'est de l'escouade lourde, on a dit que c'était bon. Là, il y a Lapin 1. Non, bah, du coup, vous étiez full, on était d'accord. Pas de problème, on a rien d'autre à récupérer. Et là, les Vengeurs. Les Vengeurs, ils ont quoi comme équipement? Du M2010 et du laser. Si je vous envoie prendre. Alors, qui a le laser? C'est toi qui a le laser. Si je vous envoie chercher. Un deuxième laser. Hop, qui y va? Celui qui a déjà le laser. Pas la peine. C'est pas la peine. Ok, je pense qu'il va être temps de prendre ça. J'avoue qu'ils se reposaient beaucoup sur leur protection, comme quoi ils sur leur camion là. Ils vont pouvoir se barrer. Bah, ok, barrons-nous, pas de soucis. Pas d'autres assauts visiblement. Pas de renfort qui sort de nulle part pour nous dire « Ah non, ils attaquent, défonçons-les » Et bah du coup, go.
on va remonter dans nos véhicules de transport, n'est-ce pas? C'est ça qui me sert après tout. Je vais quand même vérifier si je peux prendre un tank. Alors, un vieux Bradley pourri, là. On a des vieux Bradley pourris. Hein. Tac, tac, tac. Bradley, 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 Bradley. Le Sherman, non. Bradley. Là, on a du taux. Mitrailleuse. Là, on a du taux. Lui, il a aucun blindage de bonus. Donc, ça pourrait éventuellement être un à virer. Là, tac tac tac, lance-missile, blindage improvisé, c'est toujours mieux que rien. Et les autres. Ça c'est celui de Bob, donc il a le blindage céramique, on le laisse pas derrière, clairement pas. Et celui-là, blindage céramique aussi. Donc éventuellement, on pourrait se séparer de celui-là. Par ici, on va quand même voir un peu ce que ça vaut. C'est jamais. Alors nous, on va vérifier les snipes de nos différents rangers. Juste vite fait. Tac tac tac. Vous avez plus du tout de sniper vous. Ah là, comme ça c'est fait. Allez mon topé 1. Merci. Yop, yop, yop. Les nouveaux véhicules. Vous, je pense que vous avez ce qu'il faut. Ouais, laser, excellent. On va attendre un peu avant de l'évacuer. On continue de faire notre tour, on n'est pas pressé. Vous, vous avez quoi comme équipement? Pulse 4, ok, très bien. Donc là, vous, vous descendez. Alors, tout le monde descend d'ailleurs. Et vous pouvez piloter un truc comme ça, à quoi ça ressemble? Canon à plasma sans douille. Ah ouais, c'est vraiment le... Et en plus, il y a une mitrailleuse, quoi. C'est vraiment le canon à plasma du char de Légion, quoi. Alors, on va en prendre un, hein. Ça fait chier pour le Bradley, mais... Franchement, par rapport... Ah ça, je pense qu'il n'y a pas photo. Vous, ça donne quoi? Qu'est-ce que vous avez? Tac, tac, tac. Du M du 1010, c'est pas possible ça. Allez me prendre un petit laser. Vous, repliez. Vous, du coup, rentrez là-dedans. Vous, vous repliez. Tac, tac, tac. Là, on est plein. On se replie. Là, on se replie. Là, on se replie. On n'a pas vu d'autres morgues de ravitaillement, donc pas la peine de vraiment attendre de voir autre chose, ni d'autres morgues à ramasser. C'est dommage, on a perdu un obusier, mais bon. C'était pas notre objectif en venant ici, ça me fait plus chier limite de laisser les chars derrière. Allez, on recule. Où est notre Abrahams? Là. On recule. Toi, pareil. Recule. Toi, c'est bon, t'as pris ça. Vas-y. Pars-toi. Mon petit Bradley. Mon petit Bradley. Du coup, faisons un point sur les Rangers. Là, ça, c'était bon. Les Vengeurs, oui, c'était bon. Tac, tac, tac. Là-dedans, Shubby Snippy, c'était bon. Là, il n'y avait pas de problème. Test Force 141. Qu'est-ce qu'elle a comme équipement? Et vous, là? Vous êtes sorti, pourquoi? Du coup, ils nous sélectionnent la zone hand vu qu'ils sont dispersés, j'imagine. Mais ouais, toi, t'as été chercher ça et tes copains, ils étaient où? Là, ok, très bien. Ramassez-moi ça. La task force. Fusil d'assaut avancé, fusil laser. Excellent.
du coup, ensuite. Tac tac tac. Les rakers, on avait déjà regardé. Mitrasma, c'était bon. Mitrailleuse, les vengeurs, c'était bon. Là, c'était bon. Et ça, c'était Mazamara. Ok, parfait. Bah, on est pas mal, hein. On se replie. Ah, du tracteur qui nous sert à rien. Alors, par contre, pétez pas sur les mines parce que sinon, je vais pas être content. Y a vous là, y a pas un truc qui pourrait vous porter? Non, bah ok, allez-y à la main alors. Hop, c'est parti. Ah bah là, le transport. Go. Tu peux pas conduire, oui, parce que t'es une plateforme lourde, donc t'as pas à conduire de toute façon. Vous pouvez monter dans ce Bradley. Là, on se replie. Voilà, de toute façon, on prend ça. On peut rien faire d'autre. Toi, tu peux pas. Ouais, tu peux tracter de la plateforme lourde, mais. Mais de toute façon, il n'y a plus de plateforme lourde à tracter. On les a ramassées déjà. Ah, il y a un truc là. Stop. On a quelqu'un encore qui pourrait piloter. Oui, vous. Venez me chercher ça. Ça, c'est le tank. Donc, on peut pas le prendre. Mais là, s'il est pas trop endommagé, il y a peut-être moyen. Toi, tu te replies. Toi, tu te replies. Toi, t'as récupéré tes troupes. Toi, tu te replies. Bon, on a même pas eu besoin de sortir tout le monde. Mais il faudra vraiment du coup que je prenne des ingés, quoi. En plus, je le savais. Je le savais quand j'ai fait cette map, puisque j'avais déjà été dedans, quoi. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple, quoi. Vraiment, ils ont rien pu faire, quoi. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Allez, on sort. Peut-être que j'évacue d'abord, parce que j'ai pas encore zone de sortie, là, à Paris. Donc on va t'évacuer de toi. Comme on peut. Ok, on le perd, très bien, ça fait sortir les mecs. They got a lot of other tech here. Things we can use. Up to you, sir. But we've already got what we came here for. Bah clairement là, on s'est fait plaisir, hein, y'a pas de soucis, mais mais du coup, on peut pas faire mieux malheureusement. Donc non, faut s'en aller maintenant, c'est fini. On va réparer là. Et après, on s'arrache. Hop. C'est quoi ton problème à toi? T'as bugué dans le bâtiment, sérieusement? Ah non, il y a un autre. Il y a le blindé des intégrateurs qui coince. Alors va falloir se dégager, non? Oh, putain. Sérieux? Non! N'importe quoi! Allez, débloque-toi. Voilà, parfait. Merci. Là c'est pareil, on s'arrache. Là aussi. Bon, on a pris un blindé des intégrateurs. C'est déjà pas mal. Oh. Non. Non, 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 non. Attendez. Je viens de voir paumer après arrêter le bouton réserve là, je l'avais pas du tout fait gaffe. Il y a des gens qui doivent hurler dans les commentaires là. La réserve! Fais venir la réserve! Oh là là, magnifique, j'avais pas vu ça. Très bon, toi tu viens. Toi tu viens. Toi tu conduis quoi? Un Bradley, merde. Bah t'es pas venu, bah tu viens.
D'autres a des compétences de pilote de char. Normalement personne. Hein. On peut faire venir un truc de carburant. Tu viens. Bah oui, carrément. Là, tout ça, c'est du technicien. Ils sont trois, donc ils peuvent pas piloter. Oh là 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 là, la grosse l'erreur là, l'erreur quoi. J'ai failli faire une grosse erreur. Bon, toi, tu te replies. Les mecs, ils apparaissent où? Ici. Parfait. Alors, go. C'est parti, les mecs, au taf. Toi, tu me chopes ça. Toi, tu me chopes ça. Le camion de carburant. Alors du coup, on a, attention, on n'a pas nettoyé cette zone. Donc, faut qu'on y aille. On sait qu'il y a des ennemis du coup. Plutôt par là-bas. Oui, mon Bradley. Alors attends, toi t'es un Bradley? Non, t'es un Abrams. Oula, c'est le bordel dans mes trucs là. Ok, le Bradley est là. L'automitrailleuse est là, on va l'envoyer par là-bas pour avoiner à coup de lance-missile éventuellement. Là on se replie dans les transports. On sert plus à rien de toute façon, on a pris du plasma. Là j'ai envie de garder la mitrailleuse avancée qui a quand même une très bonne portée. Il nous faut quelqu'un pour conduire ça, bon on va falloir qu'on fasse tout. On avait pas mal avancé déjà là, hein. Vous, vous étiez déjà équipé. On récupère ça pour conduire ça. Parfait. On va nettoyer le petit pôle qui est par là. Ah non, on les avait déjà nettoyés. Ok, parfait. Ok, ça oui, ça avait sauvegardé quand on avait pris ça. Donc ça veut dire qu'on peut envoyer du monde prendre ça éventuellement. Il y a toi. On va prendre plutôt, je pense, un autre, le troisième blindé des intégrateurs hein, plutôt que. Plutôt que la suite quoi. Toi, viens prendre ça. Oh oui, on a, on va se barrer là avec un sacré loot là. Ok, toi tu sors. Il va juste falloir qu'on fasse le petit tour de nos tireurs et rangers de nouveau, désolé. Donc, là-dedans. Time to get out of here. They got a lot of other tech here. Things we can use. Up to you, sir. But we've already got what we came here for. Effectivement. Alors du coup, cette remorque-là, on pourrait l'embarquer en vrai. Ça nous fera toujours de la thune, parce que je crois qu'on a un tracteur qui fait rien. Et il nous faut la remorque de carburant. Où est-ce qu'elle est? Avec son petit icône de carburant, là. Toi, tu peux venir jusqu'ici. Pour nous ravitailler le transport. Et donc là, il y avait un véhicule. Enfin, après, il y a largement plein de trucs à prendre. Donc, tiens, toi. Tu peux pas récupérer ça, d'accord. Est-ce que le véhicule tracteur de rap qu'on a... Non, toi t'es déjà accolé. Là, on a des snipes. On vérifie. Où c'était bon. Ici, on est bien. Ici, on avait de l'arme lourde. La plateforme légère, elle est portée par quelqu'un. Là, c'était de la plateforme lourde. Là, c'était de la TGM. Vous réparez. Là, du coup, vous attendez que... Il y ait du carburant qui arrive. Il nous en reste un peu. Parfait. Hop. Ici. Vous aviez quoi? Un M2010. C'est pas possible. On va me chercher ça. On va attendre qu'il y aille. On va faire ça tranquille. Là, on va passer en mode normal. Commencer à aller par là-bas. Là, ça y est, t'as ce qu'il faut. Remonter là-dedans. Ensuite. Tac, tac, tac. Tac, ça c'est un striker. Je vais réparer un peu.
Bradley, Bradley, là-dedans. Ah, c'était vous du coup, ouais. Là on est bien. Là on peut maintenant piloter. On va ranger ça. Tac, tac, tac. Très bien. Toi, tu portais quelque chose. Vous, c'était bon. Vous, c'était bon. Là, c'était du chasse 1. Ah, d'accord, je les avais fait sortir, ils avaient des sauts. Sinon... Ah, du coup, ça fait repartir à chaque fois, ça change l'ordre. Ok, 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 là c'était bon. Là, c'était bon. Là. Ok, très bien. Vous. Vous avez quoi comme équipement? Plus haut, parfait. Parfait, parfait. Ce véhicule tracteur, il porte rien. Excellent. Tu peux récupérer ça, toi. Vas-y, fonce. Et dedans, alors dedans, c'était Lapin 1. On va regarder ce qu'ils ont quand même comme équipement. Vas-y, sortez. Un RPG. On va voir si on peut leur donner mieux. On va les emmener là-bas. Vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Limite, ça facilitera le tri comme ça. Le char là. Je peux sortir aussi. Vous pouvez sortir également. Vous pouvez sortir. Alors, est-ce qu'on prendrait pas un petit sans recul? Sortie de là. Est-ce qu'on prendrait pas un petit sans recul à plasma? Pour le plaisir. Le tank qui nous gêne, bien sûr. Putain, puis l'autre il est sorti, je ne sais quel truc. Le sans recul à plasma, il peut pas tirer sur les. Sur les infanteries, on est d'accord. Hein. Non, on va garder du sans recul classique, je pense. On a. Une munition de moins, mais le fait de pouvoir avoiner le... Alors ça, ça va m'emmerder par contre, si lui il est coincé là. Ouais, du coup je peux pas conduire, ouais, on est d'accord. Ah ça y est, ça l'a débloqué. De le faire sortir du véhicule, ça l'a débloqué, parfait. Vas-y, casse-toi. Ok, du coup, ici. Vous sortez. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il reste du saut dans le coin? C'est même pas dit. Là-bas, il y en a un. Vas-y, on va voir. C'est lequel qui y va. Pause. C'est celui qui a un saut. Ok, celui qui a un RPG. Il reste là. Pas la peine. Rentrer. Et cassez-vous. Non, cassez-vous pas. Vous êtes le tracteur. Vous allez chercher ça. Merci. Ici. Ici. On va retourner sur. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ça, c'était des rangers. Vous, je crois que c'était bon. On va vérifier. Vous pouvez rentrer là-dedans. Visite précision laser, parfait. Tirez-vous. Vous. Tirez-vous. Hop, tirez-vous. Oh, oh, attendez. Une petite plateforme légère là que j'avais pas vue. Est-ce qu'on a des gens qui peuvent piloter encore? Eh, ça devient short. On va faire rentrer quelqu'un. Ouais, les techniciens qui glandent là. Hop. Venez les gars. Chopez-moi ce truc, réparez-le. Comme quoi, hein, on rate des trucs. Hein. Donc le Bradley là, c'est mort, mais de toute façon, on peut pas faire monter de niveau nos troupes. Hein, donc on ne pourra pas débloquer de compétences pour ça. Ça m'a l'air clean. Ici, on avait récupéré le truc qu'on avait à récupérer. Très bien. Donc, refaisons le point. Toi. Toi, tu peux repartir. Toi, tu peux
On va pas repartir au cas où je spotterai un truc qui n'y a besoin de carburant. Là. Les Raven, ils avaient perdu leur laser, je crois, leur sniper. C'est ça, ils ont plus de sniper, donc ils vont en chercher un. Très bien, allez-y. Après, vous sortez. C'est bien arrivé là. Réparez-moi ça pour que ça puisse rouler. Au boulot. Toi, tu me prends ton petit snipe et après tu repars. Franchement, le fait d'avoir pu placer le C4 et tout, ça nous a tellement aidé quoi. Les bâtiments qui ont été désintégrés totalement gratos. Là, c'est réparé, vas-y, chope-moi ça. Excellent. En avant. Elle fait quoi de beau dans sa vie celle-là? Un peu un autocanon à plasma. Franchement, ça se prend, hein. Ça se prend carrément. On a débloqué le tracteur désintégrateur, du coup. Oui, le bulldozer désintégrateur. Il peut tracter des énormes caravanes. Il est incroyablement difficile à entretenir, mais on va voir hein, s'il est trop cher à entretenir et qu'en plus il porte pas des trucs intéressants. On le dégagera. Est-ce que du coup je pourrais faire un truc genre ouais vous je peux vous faire sortir. Vous êtes déjà pas mal équipé. Là je pourrais inverser, non je peux pas inverser. Vous je peux peut-être vous faire venir également. Là on a du SWO, du SWO. Là on a du snipe M99. Faire choper un peu plus d'équipement intéressant. Ah, c'est un M99, on commence à avoir pris un peu tous les lasers. C'est lequel qui va? Alors déjà faudra que vous avanciez un peu parce que visiblement vous êtes coincé. Là on est plein, on va commencer à se diriger par là-bas. Pareil pour vous, on va garder un transport dans le coin. On devrait commencer à avoir fait un peu le tour là. Vous c'est pareil, vous pouvez évacuer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Toi. Shobby Snippy, elle avait l'équipement qu'il fallait. Là, on a quoi? Les Malboom 1, ils ont l'équipement, pas de problème. Vous, vous pouvez évacuer. Vous avez un minigun et c'est exactement ce que j'ai envie que vous ayez. Alors, là, du coup. Tac, tac, tac. Si je vous envoie chercher ça, c'est celui qui a le laser qui va. Fait chier. Et là, elle est à l'Astre 3. Je pense que c'est celui qui a un M99 qui va, ouais. Ouais, le M2010 il reste là. Bon, on va quand même filer un laser, ce sera toujours ça de prix. Je lui demande de le prendre, je me suis dit peut-être que si je clique pendant qu'il est en train de faire autre chose, ça va permettre d'envoyer l'autre, mais non, c'est bien lui qui y va, donc pas utile, malheureusement. On se replie. C'était Mazamara. Mazamara, vous pouvez vous barrer. Ta-ta-ta, nanana, là. Le tracteur avec son truc, on peut se barrer. Et en deux, il nous reste quoi? Je regarde vite fait. Que des véhicules des fondateurs, très bien. Il y a une unité là qui glandouille. Il va remonter dans ce véhicule, s'il vous plaît. Je suis en pause, pardon. Vous avez moyen de ramasser des trucs. Mitrailleuse à plasma, vous avez quoi? Une mitrailleuse avancée, donc non. Et là, c'est parti, on s'en va. Pas grand chose d'autre qu'on peut faire a priori, on a vraiment tout ramassé. En fait c'est chaud de repérer les énormes caravanes des fois, des trucs qu'on peut prendre. Là, lui, on a personne, on est d'accord. Hein. Après, est-ce que je peux faire rentrer un truc? Non, ça serait abusé. Ce que j'ai fait sortir, ils apparaissent pas là, hein. Ça serait abusé.
ce serait vraiment abusé. Et on n'a pas de pilote de char qui traîne. Ça me va. Allez, évacuez-vous. Vérifie une dernière fois que je vois pas de trucs qui traînent. A priori, on est bon. L'Optium V, là il y avait rien d'autre. Sur cette zone là, il y avait rien d'autre. Sur cette zone là, c'était bon aussi. Ici, il n'y a rien de particulier planqué dans les coins. On a tout pris. Alors, on a pris tous les chars, ça fait tellement plaisir. Il y a juste un Bradley qu'on n'a pas pu prendre, mais honnêtement, je m'en remettrai. Go. Une mission fort rentable. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Il y a un véhicule là qui est planqué, qui est où, qui est là. Un petit MV. Toi, vas-y, pareil, replie-toi. Toi avec ta tourelle. Toi avec ton Bradley. La petite automitrailleuse des Vengeurs. Ici un transport. Parfait. Et tout le monde est en mouvement. Bon, du coup, désolé d'avoir refait la petite phase de loot, mais franchement, ça aurait été con de rater ça. Au moment où le dernier véhicule est sorti, j'ai vu le bouton réserve, là je dis mais non, mais quel con. Allez. Hop, voilà, et le dernier cette fois, c'est une réussite. Excellent. 4 soldats perdus, 0 véhicule. Et encore des soldats, on les a perdus parce qu'on les a laissés un peu exposés au snipe. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais vraiment là, hyper rentable. We both got what we wanted from this mission with the freaks. Good luck in Galveston. But I got movement business happening elsewhere now. Ouais, et je me méfie toujours de Lucia, hein, parce qu'on sait pas si elle serait pas un petit peu, voilà quoi. Alors par contre là, on est à 200 000 de ravitaillement. Putain, la vache. Ah ouais, 7500. C'est combien un Sherman 4000 et les bulldozers pour voir? Ça c'est du bulldozer. Ils sont où les bulldozers des intégrateurs là? Bulldozer des intégrateurs, 7500 aussi. Ah putain, la vache. Ok. Très bien. Bah, je vais faire une petite gestion, je pense, en off. Tain, c'est tellement dommage qu'on puisse pas les vendre. Mais il va falloir qu'on fasse avec, je crains. Parce que là, je peux pas y aller. Hein. Non, pas assez de ravitaillement. Donc, on va devoir faire en sorte d'avoir ce qu'il faut. Je sais même pas si on va pouvoir. Hein. Ça fait chier de pas pouvoir faire de vente ici. Mais bon, si on avait joué avec les intégrateurs, on aurait sûrement pu. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode et cette mission vous a plu. Et je vous laisse ici. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.